Happy New Year. Oh, today is what? Today is the 27th. Today is the 27th. I can't wait to fly. Oh, I'm alive, 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 alive. Yeah, 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 yeah. When you go to guys, I don't hey guys, I don't know how to dance, okay? Don't judge me right there. You guys are very bad over there, I know. They're not even judging you. Do not judge me. They're not even judging you. I don't want to see you on that video. Welcome, welcome, welcome to our live. Come on in, come on in, come on in, come on in, come on in. Coming in here, jumping in here, guys. Come on in, come on in, come on in, jumping in here. Welcome, welcome, welcome to our live. Charlie, can you name the name? Can you tell me the name? Who those people are here? Come on in, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Gigi. We have 45 minutes over here, guys. We have Miss Gigi. Welcome to our live, Miss G. Miss Nancy, let's welcome to our live, Miss Nancy. Danny. Miss Daly, welcome to our live. Nuda? Nuda, did you say it? Welcome. Darling. Darling, welcome to our live. Fartu? Fartu, did you say what? No, spell it. F-A-R. Where is it? Fortune. Okay, welcome to our live. Mercy. Mercy. Welcome to our live, Mercy. Dawn. Don, welcome to our live. Emmanuel. Andrew. Emmanuel. Emmanuel, welcome to our live. Nash. Who? Dash. Dash, welcome to our live. Nash, welcome to our live. Dot. Dot. Capital City Queen. Capital City Queen. Queen. Queen, welcome to our live, Miss Queen. Jaken. Jaken, welcome to our live. Room? Who? Room? What? Room. What
is that spelling? Is it Welcome to our live, guys. Welcome, welcome, welcome. We are so happy to have you here, guys. Today we have 45 minutes to go on with you guys today. Before we start the live, let's go say welcome, 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 welcome to our place over here. We are so happy to have you. Today is what? Today is the 27th? Yes. Today is the 27th, guys. Today is the 27th. I mean, we all had a very good Christmas, isn't it? Yeah. Yeah, we just want to thank Lord Jesus. You know, we celebrate Christmas, which is wonderful. We are here today again together. But before I start, let me tell you something, guys. I myself was not feeling good on Christmas Day, guys. You see me standing over there presenting the food, doing all that. I wasn't feeling good at all, guys. I was not feeling good at all. Then it was hard for me to put something in my mouth. But still, I'm standing here today. I just want to say thank you to Lord Jesus. It's always good to turn back and say thank you, because this life, we are not only life. God is the one who gives us the life. He's the one who's directing our life. He's the one who gives us... Who's in charge? Who's in charge of our life? Because if God today turned his back and say, no, that's it for you, you can't do nothing. We don't have no power. We always think that you have a power, that we are strong enough, we can do this, we can do that. No, 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 we are not. We are not. Because the last decision is God. God has to allow us to be able to do this. Yeah. So, I just want to present this. I'm going to go back and sit. Like I said, I'm not feeling good for myself. I'm not really feeling good, but I thank Lord Jesus because I'm still here. I'm still strong here. Strong. And then it's hard. It's hard for me to put something in my mouth. I lost appetite. I can't eat. Like all day today, I just have only fruit, water, tea. That's it. You know, that's all what I had today. But I'm not weak, I'm not dizzy, which is important, which is very good. You know, I'm standing, I'm strong. But I'm not gonna stand here for long. I'm gonna get back over there and sit down, and we're gonna talk and then share some stuff together before New Year. I think it's very important that we share things. You know, we are family, we are family. You guys are following me, and then I have decided every time that I have something in mind or something going on, I'll come and share it with you. We can just go ahead. That's the only way we can help each other. Yeah. Support each other. Yeah. So I'm not gonna stay long, like I said. Let me just present this in French quick. I'm gonna get back over there and sit up. Yeah. Okay, voilà, chers amis, frères, sœurs, c'est Caroline encore aujourd'hui sur la toile. Aujourd'hui, nous sommes au 27, c'est au 27 après Christmas, 2 jours après Christmas. Nous voulons d'abord dire merci à notre Seigneur, parce que si nous sommes là debout encore aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a permis. Et puis nous avons célébré la naissance de Jésus-Christ, ce qui est important. Et moi, je veux vous dire, vous assurer que moi qui suis ici, si je vous dis que depuis quelques jours, je n'arrive pas à manger, je ne mets rien dans la bouche, vous n'allez pas croire. Mais me voilà encore très debout et solide. Je ne suis pas faible et je remercie le Seigneur parce que Dieu est merveilleux, il est grand. Vous m'avez vu le jour de Christmas, le jour de Noël, j'ai présenté les plats, j'ai présenté les enfants, mais je n'étais pas moi-même, hein, j'étais souffrante. C'est-à-dire que tout le plat que vous avez vu, je n'ai plus rien mettre dans ma bouche. Ben, je suis encore dure, je suis encore, comment vous appelez, très debout. Donc, je remercie le Seigneur. Toute la journée d'aujourd'hui, je n'ai fait que boire du citronnel, du jus de citronnel. C'est tout ce que j'ai pris. Rien ne peut rentrer dans la bouche. Rien ne peut. Ben, on n'est pas faible. Et non, pas faible. On remercie le Seigneur, ce qui est important, ce qui est vraiment, ce qui dit que Dieu est en surveillance, il veille. Donc, c'est ça. Donc, bon. Alors, si vous avez célébré Noël, dites que c'est toujours très bien de retourner les yeux vers le Seigneur. Lui dit merci d'avoir permis ce jour-ci parce que et ce n'est pas avec notre force, hein, you know,
C'est Dieu qui décide de notre vie. Il est le seul maître, hein, la seule décision. Hein, des fois, on se dit qu'on est fort, on peut faire ceci, on peut faire cela, et rien ne peut nous arriver. Non, on va pas se il faut qu'on se détrompe ici. Hein, parce que si Dieu prend la décision aujourd'hui, tu n'as rien, ta force n'a plus rien à faire. Si Dieu décide que toi, tu ne vas plus vivre aujourd'hui, c'est fini, tu t'en vas, il n'y a pas de truc. Si Dieu t'appelle, il t'appelle, tu vas, tu laisses tout ça là, tu vas. Tout ça là, tu vois. Donc, c'est très important qu'on pense à tout ceci, qu'on mette notre vie... encore plus, qu'on commence par se préparer au jour, parce que tu ne sais pas le jour où Dieu va t'appeler, hein, tu ne sais pas. Il ne faut pas que Dieu t'appelle à un jour où vraiment tu es dans un milieu pas possible et que Dieu te prend là-bas dans ce milieu pas possible et que tu vas, c'est la honte, n'est-ce pas? Donc, tu veux que quand Dieu t'appelle, qu'il t'appelle à un moment où tu es vraiment, il te trouve à un moment vraiment serviable, un moment où vraiment il n'est pas découragé, n'est-ce pas? Bon, voilà, donc, comme je le dis, je ne me sens pas très bien. Depuis 3 jours, depuis quelques jours, je ne me sens pas bien, je ne mange pas comme ça. Le plus important, c'est que je ne suis pas faible. Ce qui est important, je ne suis pas faible, je suis encore debout, j'ai la force, et c'est ça qui est important. Bon, donc, je ne veux pas rester debout très longtemps, parce que là, je risque de tomber. Hein. Si je reste debout très longtemps, je risque de tomber. Bon, d'accord, je vais prendre je vais m'asseoir là, et puis nous allons en discuter. Nous allons discuter de quelque chose rapidement. J'ai seulement que 45 minutes à vous entretenir. Et puis bon, voilà, donc je vais me reculer, je vais m'asseoir. Et puis bon, donc on va en parler. Quand je suis assise ici. Bring it just a little bit over here. This one? No, this just a little bit here. Yeah. Okay. Can you want to bring it just close a little bit? Let's see. Bon, voilà. Donc, je pense que c'est bien ici. Good. Bon, ma feet. Ça va, attends, je vais essayer d'arranger ça un peu moi-même. Allez, voilà. Ben voilà. Je pense que c'est bien, non? Yeah. Yes. Ah, what is dimming? Is it something is. It's dim. Sure. Hold on, wait, let me see. Is that good? Yeah, I don't know. Oh, it's my glasses. It's dimming, isn't it? It's dimming, guys. It wasn't like that. Maybe it went to setting. I need to go setting and check. Wait, one can I stop? Oh, but to go setting, do I need to get... If I do this, I can still come back, you know? Yeah, I think. I can still come back, isn't it? Yeah. I just want to go setting. Guys, let me check something. I can still come back, you know? Yeah, I think. I can still come back, isn't it? Yeah. I just want to go study. Guys, let me check something going on. Hello, guys. Welcome to our live. No, turn that light on. Yeah, it's much better with the light like that. I think it's better. Yeah. Goodbye. I want you over here. Sit down over there. No, goodbye. Can I go bring the book? No. Okay. Okay. Welcome, welcome, welcome to our live. So, like I said earlier, I'm going to have like 45 minutes with you guys. And then we're going to go quick, and share this thing together. Share this. I don't want to... Don't show too much. Caroline, let's go make sure we hide stuff here. We have to hide stuff here. We don't want to show things that people are gonna be all alive because they are, what they are alive like you guys over there. I know you guys. When you come to life like that, you want to see things that you're not supposed to see, Mom. Isn't it? You'll be like, okay, let's go see things that we're not supposed to see. Then you run before you know it, the whole internet is taking things over. You're always sharing and enjoying life. Guys, that's the reason why we are here today. We're going to talk about all that today. We're going to talk about all that. Because 2024 is going to be a new year for each one of us. 2024 needs to be a new year for each one of us, okay? We have to make sure that we start making a good decision for ourselves, for others, for people around us. You know, supporting each other, helping each other, help when you can, and stuff like that. But before we go through that, let me just go ahead and translate what I just said in French. Bon, voilà, chers soeurs et frères,
j'ai décidé de m'asseoir parce que là, je me suis dit que je peux rester très longtemps debout, comme je vous le dis. Et depuis quelques jours, je ne mets rien dans la bouche. Hein. Donc, si je reste debout, je risque de tomber. Hein. On a la force quand même, hein. On croit en son Seigneur, c'est ça. Donc, bon voilà, donc j'ai dû m'asseoir. Nous allons nous entretenir un peu ce soir. Parce que vous êtes mes abonnés, j'ai plus de 10 000 abonnés qui me suivent. Et je ne peux pas juste laisser mes abonnés là-bas, des gens qui me suivent, et puis ne rien faire. Nous préparons l'année 2024. Il faut quand même que je vienne vous entretenir. Il faut quand même que je vienne donner mon mot. Il faut qu'on vienne se dire quelque chose, non? On est famille maintenant. Tu ne peux pas avoir des abonnés, des gens qui te suivent, qui s'intéressent à toi. Et tout d'un coup, tu ne leur dis même pas bonjour. Tu sors, tu t'en vas, tu fais tes activités, tu reviens, tu regardes, tu vois, ils sont là. Tu dis, oh, ils sont encore là. Bon, voilà, donc vous êtes là, c'est bon. Non, ce n'est pas comme ça. Je dois vous entretenir. Je dois venir de temps à autre faire des lives comme ça pour qu'on puisse mieux se connaître. Voilà, pour qu'on puisse mieux se connaître. Et c'est ça qui est important, n'est-ce pas? Vous ne vous êtes pas abonné à moi pour que chaque fois je vienne vous regarder sur mon truc. Ok, ils sont toujours abonnés, c'est bon, je m'en vais. Hein? Je m'en vais, je reviens encore, je regarde. Oh, ils sont toujours là, je m'en vais. Non, c'est pas comme ça. On doit s'entretenir, on doit parler, on doit se dire beaucoup de choses, on doit se donner des conseils, n'est-ce pas? Et cette fois-ci, avant de m'asseoir, j'ai fait un petit commentaire. Le commentaire, c'est que je m'asseyais, mais je voudrais m'assurer que je ne me fais pas voir. Parce que je me disais que ben, si je laisse voir les choses, vous êtes là-bas, vous attendez seulement à voir ce que vous n'allez pas voir. Hein? Vous attendez seulement pour voir le pire des choses. Et puis, vous ne commencez pas à partager, je ne veux pas m'exposer, non? Il faut s'assurer qu'on ne s'expose pas. Donc, j'ai ajusté un peu ma robe pour ne pas m'exposer, pour que vous n'allez pas faire des commentaires. Hein? Vous n'allez pas mettre ça au-delà. Hein? Bon voilà, donc vous êtes les bienvenus, vous êtes très bien les bienvenus, on est toujours contents, toujours ravis de vous voir ici quand on se connecte, parce que sans vous, on n'a pas de live, sans vous, on n'est plus là, si vous êtes là, c'est parce que vous supportez et c'est ce qui est important. Et aujourd'hui, pour ce live-ci, nous allons parler de support, et de comment s'aider en tant que frère, en tant qu'ami, en tant que femme, en tant qu'homme. Tout ceci, c'est très, très, très important. C'est très, 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 très important dans la vie. I want you to sit down still. Or you're going to end up on that chair over there, okay? Be careful. Sit down still. You had a time to take a nap. Don't you want to ask you to sit down still? You listen to what I'm saying, okay? Good. Bon, voilà. Vous allez m'excuser, j'ai été interrompue par ma fille. Bon voilà, donc c'est ça. Donc on doit s'assurer que et on se supporte hein, en tant qu'être humain, Et on doit tout faire. Et nous devons tout faire pour se supporter. C'est très important. Le support est très 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 important dans la vie de l'être humain. Et surtout, et contrôler ce qu'on dit à l'autre. Il faut toujours contrôler ce que tu dis à l'autre. Si tu penses que tu ne peux pas, ce qui va sortir de ta bouche ne va pas. Et il ne faut même pas, il ne faut rien dire. Parce que ça affecte. Et quand ça affecte, ça tue. L'autre personne qui reçoit ça est obligée de mourir avec. Parce que la personne, c'est difficile de repasser et surpasser ça. Ça prend du temps. Et quand tu fais ça une fois, et que tu fais ça deux fois, et tu continuellement tu le fais, c'est... C'est-à-dire, il serait préférable que tu tues la personne et tu l'enlèves et c'est mieux comme ça que de laisser cette personne vivre avec tous tes dires et supporter tes dires et essayer de surmonter. Et la personne n'arrive pas et tu continues toujours pas à détruire. Non, c'est très, très, très important. Et parce que dans la vie aujourd'hui, on vit des trucs, on n'est plus soi-même. On est plus soi-même, on n'arrive plus à reprendre notre santé juste parce que on a été tourmenté. On a assez tourmenté. Il y a des fois tu fais semblant d'être forte, tu fais semblant d'être là pour supporter, mais tu ne supportes pas. Mais c'est que toi tu te bats, mais l'autre à côté ne sait pas. Pour lui dire qu'elle est encore solide, laisse-moi encore faire beaucoup de choses. Parce que les gens veulent te voir tomber avant de savoir qu'ils t'ont eu. C'est pas toutefois comme ça. Parce que toi aussi, tu ne vas pas accepter tomber rapidement. Tu ne vas pas accepter. Mais tu vas dire, oh, je suis forte, je vais supporter. Et tu pries, tu demandes à ton Seigneur de te donner l'énergie de supporter. Et à ce moment, pour l'autre qui te voit, il pense que, oh, tu es encore solide, je dois continuer très fort.
Et ça te détruit complètement. Et ça, là, quand ça arrive à un niveau, tu n'es plus toi-même. Tu es affecté de tous les côtés, tu es affecté. De ta santé, de tout, tu es affecté. Et tu deviens automatiquement une personne différente. Tu n'es plus la même personne. Et tu ne pourras plus jamais être cette même personne. Yeah. Parce que c'est fini. Ça dit, ça t'affecte et puis c'est terminé. C'est comme tu es paralysé. Tu es paralysé. Donc, nous devons vraiment faire attention à ce qui sort de la bouche pour l'autre qui va nous écouter. Donc, pour ce 2024, je pense que 2024, je me suis dit que je vais venir. Parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui subissent la même chose. On doit arrêter. On doit arrêter complètement. Parce que moi, je suis en train de traverser un stage et je ne voudrais pas voir une autre personne traverser le même stage que moi. Donc, si j'ai été peut-être la victime, donc je vais sauver quelqu'un d'autre pour que la personne ne soit pas victime de ça. Et sauver l'autre peut-être qui veut faire ça. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé en 2000, je vais venir vous parler avant 2024. On va parler, on viendra, on fera 4 lives. It's 4 lives, non? Yeah. 4 weeks, 4 lives. On sera en ligne comme ça 4 fois, hein, ce mois-ci. Et notre dernier live sera le 13. Notre dernier live sera le 14. Et the second live gonna be when? Ok, je vais vous donner le programme de mon live. Je ne peux pas vous donner le jour. January 1st. Ok, donc. Nous serons en direct encore le jour de Nouvel An. On serait en direct avec vous, Nouvel An, pour traverser l'année avec vous. Hein. Je ne vais pas vous laisser seul. On va traverser l'année ensemble. Voilà, on sera en direct le jour de Nouvel An. On serait en direct encore dans la semaine du Nouvel An. La semaine qui suivra, le janvier, le 8 janvier, on serait encore en direct avec vous pour s'assurer que tout le monde a traversé. Et donc, nous avons tous traversé cette année et nous sommes dans la semaine de l'année. Et notre dernier live pour le janvier serait le 14 janvier. Ce serait un dimanche après la messe. Ce serait le 14 janvier, notre dernier live pour le mois de janvier. Donc, j'ai décidé de faire ceci. On aura 4 lives. Et aujourd'hui, c'est le premier live. On aura 3 autres lives. Voilà. Donc, c'est ça. I was saying earlier today, we're going to talk about how we can do to help each other. It's very, very important. It's very important that when you are friends, you have a friend, a family, a husband, a wife, or whatever, a close family. Even the person that you are not connected to, that you don't know, we always make sure that we try our best to say something that can help or build the person instead of throwing things that can destroy that person's life because it hurts. It hurts. And when the person get it, it takes a long, long, long time for the person to be able to process that and then to move on. You know, when he get that, it take a long, long time because it will take a long time to try to think, how could the person do this to me? Then you say you try your best and the person still see you standing, the person keep on throwing things, then you keep on receiving them, he keep on throwing things, you keep on receiving them, then you now be dying slowly. Because there is no way you can process that. It will become too much for you. You can process it no more. So it's very important that we try our best to do something amazing to support each other. If you can do it, if you cannot, you think that whatever coming gonna come out of your mouth is not gonna help or build that person, don't just say it. Don't just say it. Don't just say it. Don't say it because you are upset. Don't say it because I'm mad. I have to do something. Don't just. It should be something. I think when you are upset, when you are upset about something, and you just wanna, okay, did I say this in English? Our schedule? Yeah. Okay, yeah, we have a little schedule for this month of January. We're gonna be going live
like our first life, our second life. Today is our first life for January. No, not now. December. Yeah, we haven't started January yet. No. Okay, so today is the 27th. So 27, we have this life today. Our second life gonna be on January 1st. We're gonna go New Year with you guys to make sure that everybody made it through. Hey, we gotta make sure that everybody made it through the New Year. So we're gonna go on our second life gonna be on January 1st, and our third life gonna be on January 8th after church. You know, to share, to make sure that week, the week of 2024, has started nicely and smoothly, you know. And then our last live in January gonna be Sunday the 14th, which it ends, yeah, for the month of January. So we do not know the time yet. We just gonna show up like we did today, you know, because we all know that you guys are always ready. When we come live, you get connected. So we're just gonna show up like that, you know. So yeah, that's gonna be our schedule of today, you know. So today, I said we're gonna talk. We're trying to prepare ourselves for 2024. And then I really want to share this to you, because I'm going through a tough situation with my health. It's not because I'm sick of something. It's just because I'm stressed. I am stressed. And then I'm trying my best, but it just taken a long time for me to be able to get back on my feet like I used to be me. Because right now it's not me. I don't recognize myself. I'm always a happy person. But today, no. I can't. I'm getting out. What did I tell you? Be careful. Yes, so, if I have to redirect you again, then that's the chair, okay? Yes, so, yeah. So, yeah. So, we're gonna try for this year, 2024, try to build ourselves. You know, we're gonna make sure that we are fully in love with each other. We're gonna make sure that we just don't do things to hurt people that are around us, or people that we say we love. When you love, you care. It doesn't matter. It doesn't matter what the person did to you. Then you put your love ahead. You look at the love that you have that person. It's always good to get close and ask, why did you act that way? Why did you do that? When you love, that's it. There's a way. You don't just, because you are upset, you just act. You act because you just want to show how much you are upset. Then you act, I don't know, you act very, a harder way. You act such that you become the person, just look at you and get so scared of his life or her life around you. You know? Like, oh my God. So for this thing I did, you know, we are living, but our life is full of mistakes. We have those mistakes that we're gonna be making every day. Nobody lives successfully. Like, you can just live and live right. Nobody is perfect. We are not perfect. We are not. There will be sometime in our life that we're going to be mistaken. We're going to make a lot of mistakes. Things will happen. Sometimes you do things that you don't even understand yourself. Then you just like, oh, I'm sorry. I didn't mean that way. But that does not mean that because I did it, so I have to die for what I did. Then you can just take a decision. I'm going to show you. You're not going to have a peace with me. I'm going to make sure I destroy your life. So if that person has to go through that, it's better for you to just kill the person
than to let the person suffer. It hurts. Because every time the person is living all his life, when the person gonna turn his eyes and look at you, it doesn't matter whatever you come around and do that good stuff. It doesn't matter whatever you come around and show the good. It's still that person is already affected. Unless you really, really deeply went into you and just recognize it and look at yourself deep down inside and look at everything that you did to that person and try to look at that and say to yourself, oh yes, I do not know what come. I don't know what really happened, but I act wrongfully, I act horrible toward the person. And then you have to make sure that you get closer to that person. For the person to feel relieved. For the person to go back and trust you. For the person to go back and take you. For the person to go back and put you into consideration. You have to go and really show the person that everything I did to you, I didn't mean it. It was just a mistake. I didn't even know how come. I didn't even know how I went through all that. I can't explain it to you. I wasn't thinking. You know, I act because I was upset. If you can just forgive me. If you can just forgive me for that act. And then let's go start it over. So that gave the person a chance to think, to realize that, oh, okay. So you didn't mean what you did. Because that person cannot trust you again. It doesn't matter. The trust will not, because how can I trust you after all that? Because you are even incapable to come and say sorry, to recognize what you did, to very regret that. And then sometimes the person, the victim, will take a distance. When you take a distance, that does not mean that you don't want to be part of that. It's just because you're so scared. Because you try to push back and try to look at, is that the same person? Is that the right person? Did I make a mistake somewhere? Did that person supposed to be around me? In 2024, we're not gonna carry people. That does not add nothing good to our life. You don't want that. You don't want to be keep on going with people that does not add nothing into your life, that destroying your life. There are people that hate you. There are people that pray for you because they don't want to view you succeeding. They just want to see you going down, suffering. Your sufferings make them happy. They're only happy when they see you going through struggling with your life. They see you miserable. They see you fighting. They see you. That's why they get happy. They try to get close to laugh more. Those people are no good help for you at all. Those people need to be set aside. You don't need that energy around you. No, you can't. It doesn't matter if he's a family member. It doesn't matter if he's a close friend. It doesn't matter if he's a sister, brother. It doesn't matter if he's a husband,
wife, cousin, father, grandfather, mother, grandmother. It does not matter. You want to move on with people that help you, that build you, that accept you the way you are, that put you into consideration, that there to help you fix your mistakes, your wrongdoing. They're there, they care for you. They want to fix your wrongdoing. Not people who are ready to shout, to run, and tell how bad you are. And always looking for you to do just something small, which is not right. They run with that because they want to prove a point. You don't want to carry those people with you in 2024. There are some people that you need to put aside to be able to move on with your own life. If you want to be successful? Successful? Yes, I am saying that. Yeah. Because our life today is full of stress. We are all stressed. Okay? Then you don't want nobody to come around and add more things to you. When you are fighting yourself to try to make, you know, make your living life easy. Try to build yourself. Try to have fun. Try to do something amazing for yourself. You cannot allow somebody else. I hear some people say, oh, it's the family. It's a family. How you don't talk to your family? I talk to you. Why did you accept me? How can I, you tell, I can't leave my, I just cannot. For me to be able to give you my life, to accept you into my life, I have to make sure that you are accepting me as a part of your family. Others the way you want to be treated. Yeah. If you don't want them treating you how you're treating them, don't treat them the same way. My sister, my daughter is saying something. Say it loud. Treat others the way you want to be treated. If you treat them how you don't want to be treated, yeah, do it. You hear her? She said, treat other the way you want to be treated. If you don't want to be treated the way that you're treating somebody else, don't treat them that way. Yeah, if you don't want to treat you the way that you treated somebody else, don't treat them that way. Because they can turn their back and do it the same way. Yeah. That's it. Our life today is very simple. Life is so simple, guys. We are the one are complicating life. We are the one are making this life so difficult to live on. Life is so simple. Well, it can be. Yeah. I look at life so simple. I learn very quick. Mm-hmm. Very, very quick. Very quick. When I was growing up, even being a child, if my sisters or my brother need to share, they will share my story growing up with them. Even with my family, I learned quick to be set apart. When I do something in the house, or I was accused, wrongfully accused for something that I did that I know I didn't do it, I will accept. When my mommy get upset or my daddy get upset at me, I don't do anything than listen to everything they're gonna say. When I finish listening to them, I will move away. I will move from my house. I'll go somewhere.
There was this school, this primary school that I used to, this primary school used to be very close to my house. I would go there. I would just move. I would go there. And then I would find a place to hide. Sometimes I hide under the desk. Somehow they cannot see me. And I would sit there all day. No eat, nothing. I would just sit there. Because I'm hurt. Because I'm upset. At the same time, I don't want to stand it there and make a mistake. Maybe say something that's going to upset more. I'll just move away and just sit. I'll sit there until it gets too dark. They have to come and looking for me, and they always find me there in that school. They're looking for me, but still be looking for me. They'll look for me until they find me. If they don't find me, they can. They'll find me. And when they find me, then they will take me home. And when they take me home, I will refuse to eat. I'll go straight to bed. Then the following morning, the mom and dad will call me back. They'll call me back. And they will be like, oh, we are so sorry. We thought you did that. But why can't you defend yourself? Why can't you say, I didn't do it? I has been like that. I've moved away. I always find my way out the situation. I've set apart. I love people that love me. I can't love people that hate me. I love you as a human being. I don't have nothing against you. But I just don't want you to hurt me more. I'm just putting myself aside so you don't hurt me more. Because you already hurt me, and I'm trying myself to build that. I'm trying myself to get back on track. I'm trying myself to be a better person for me and my kid. Now, by doing that, by taking that decision, I cannot just be around you. I gotta to move on. Not until you recognize your fault. Not until you go deep down and just realize. It's not like, oh, she just don't want to be. I can't be. But then now, if you come close and ask me, what's going on? Why are you taking this decision? I thought we are family. Did I do something wrong? Then, I now know that you are ready. I now know that you want to be part of me. I now know that you are accepting me. Then we can go back and talk. And then try to figure out how we can make it better. I'm not a sneaky person, and I hate sneaky people. Don't be around me. Then you destroy me to look, to put yourself up. You want me to be there, so then you want to be up. You want people to see you as you are the best person. And at the same time, you make me look like the wrong person into your life. When it gets to that level, it becomes pretty dangerous. And it hurts. It hurts. Very bad. It will change your way of living. It will change you completely. It will take you away from what you used to be before. You become
another person. You do not recognize yourself no more. Why can't we just choose to be happy all together? Why can't we just, we are not a place where where people need to know that, oh, I'm the, you don't, yeah, no. When you are together, we are together as a family. We build each other. Even if you see the mistake of the other person, you get close to the person, you correct that mistake. Even correcting that mistake, you don't want people to see it. That's why you should truly show love. You truly show love. You defend that person first. In any situation, you take a first step to defend that person. Even if you know that that person is wrong. You defend that person first. Then when you finish to defend that person, you bring now the love from others to that person. Then you go back. Now in your own time, you go back, you call that person over. Then you say, come here, I want to talk to you. You know what you did was wrong. But I didn't want to expose you. You know what's going to happen? If I have to go back and support what they are saying against you, I just jump in there to just try to protect you. But next time, don't act that way. Act this way. Then go back and join the group. Make them come back. Then when you know that the person is that it has been attended to where you need to be, then you come back around. Then you want to be that good man or that good lady or that good friend or that good sister or that good brother. Auntie. Or that good grandma, or that good grandfather. It's not gonna work. It's not gonna work. So put 2024. Especially for married people, husband and wife, we're gonna talk about how we can make things better to be together, to stick together. There is a lot of singles moms up there, a lot of them. They are single moms. It's not because they want to be single moms. Between those single moms, they are good moms, good wives over there. It's just because they cannot just take it no more. Because they are tired. They are fed up. They can't do it. They just said, you know what? I'll just go ahead and move with my life. I'll just go ahead and take my own place. I don't want that energy anymore around me. I'll just face my kids. That's it. I don't want to accept no man in my life. I'm done. We can do it. We can make it better. For all of us. We can make it better. Love is simple. Just love. Be not... And when you are a couple, when you are married, it's not for you, the man, to show that you are a good wife.
You are a good man for your wife. It's not you, the man, to always show that you are the good wife. The good man for your wife. I'm sorry. I want to be like that man would say anything. Sorry, guys. It's not you to show that. A man who are the first one to start showing that he is the good man. He does this, he does that, he does this, he does that. That man is truly an abusive man. And he tried to hide it. He's a sneaky, he's a bad man, he's a wrong one. He tried to hide it. So what that man does is to run up there. So that way, when you come around to say a word, people will not listen to you. Because you learn to listen to him about his good stuff he has been doing for you. Then he will be the first one to run up there and start telling how good he is and how bad you are. It's the opposite. In that case, when you see a man like that, know that that man is abusive, he's malicious, he's sneaky, he's a bad man. But a man who is quiet, who does things, a man, when you love, you love. It's about your love. The first thing is your wife first, your family first. A man who cannot put his family first, putting himself first. There's a man, they put their first self, he put himself first. The second, his job. Those two things that are important for him. Now, the family thing comes, the third thing is now his own family, where he came from. Mom and dad, sisters and brothers. That's the third things here. His dad is him first, his job second. The third person is his mom, dad, brothers, sisters. Then now, uncle. The uncle, elder, and then now, you are the wife, you come in last. You come in last. Shit's wrong. How that man can respect you? He did not even put you. Even he chose his job over you. How that man can respect you and consider you and try to do something to help you or build you? That man will spend years and years destroying your life. Is that the right word? Because the first thing, he didn't put you into consideration. You are nowhere in his schedule. You are just a simple stranger in his life. He used you for his pleasure. He used you just for his pleasure. Everything you do, you fight yourself. You try your best to make it. You don't bother him. Don't ask him for nothing. You work on your own self to make yourself happy. Even stuff that you use your own money to buy, it came a problem. It's judged. Why? Why you buy this? Why you buy that? But he did not finance it. So guys, we have to make 2024 better. Way better. Way better. If there is a man up there who's watching my life, he has been like that with his wife, and maybe the wife left because of that, please go back and bring her home
and turn yourself to be a good man. She should be your first. Your wife supposed to be your first in mind. You put your first, your wife first. When your wife is happy, you happy. Know you first, know your job first, know your family first, and she will come last. And you're ready to destroy her. Your family need to know every bad stuff that she does. Not any good stuff? No. Just because when you made your first choice, the family opposed. The family said, oh no, she's not the right one. Now you fighting your life to show the family that you say right, she wasn't the right one. But the beginning, you tell her, well, I know my family is opposed to our marriage, but you know what? I love you. That's what's matter. We're going to support each other. You can make it round. The way you treat your wife will make your family say, oh, definitely, she was a good wife. We judge her so much, but she's truly good. We judged her too soon. Too soon. Look at them. They're a happy family. But when you there, you don't have a peace. Your fam, your wife become your enemy. Your enemy. That's right. Your wife become your enemy. That's the word. You don't go deeply sleep. You keep on thinking what you can do to hurt her. You don't think about the good things that can help her. You don't say nothing good to build her. You don't say nothing good to help her. You don't say nothing good. All you say is horrible things. She can hear just horrible things from your mouth. When you open up your mouth, it's to throw horrible things. You treat her anyhow. And sometimes, ladies, we support because when we love. Yeah. We don't care. It's forever. We love with our hearts. Sometimes we blame our own self. We say, you know what? Maybe that was my mistake. Maybe I did wrong. He's not like that. And you keep on saying one day, until you end up in the grave. In the ground. You start dying slowly, slowly. Yeah, you end up in the ground. You end up on the grave. You start dying slowly, slowly. You start dying slowly, slowly. Gonna be better. Way better. Way better. Way better. The same we're gonna go for ladies too. Be careful. The same we're gonna go for our ladies too. Love your husband as you love yourself. And then love, sometimes we love our husband more than we love ourselves. When the lady want to love, she love. Emile, they love. It's for real. I play that. You love your husband than you love yourself. You think about him every day. You put himself before putting yourself. You go somewhere, you see things, you look at it, say, oh, this is gonna match for you. You want to get it for him. You try to make your home happy. You try to do something amazing. You try to bring him. You want to be close to him. You want him around you. You want him all the time. You're not getting tired of him.
That's how ladies love. But some ladies too. Don't take your husband as somebody who's supposed to do things for you. Take him as a man part of your life. Put him into consideration. Don't just take him like, okay, he's there. He's supposed to do this. You're supposed to buy me a house. You're supposed to buy me a car. Oh, you're supposed to take me to the store and you're supposed to buy me this beautiful dress. Oh, you're supposed to give me money for my wig. You're supposed to give me lotion. No. He's not supposed to do any like that. You're not supposed to put anything like that. He's supposed to be your husband. You guys supposed to build each other. You guys supposed to grow. Sorry, guys. You guys supposed to grow together. Grow a family. Grow as a family. You guys supposed to be helping each other. Not destroying each other. You supposed to put your husband first before anything. Know yourself. Know your job first. Know your family first before your husband. Your husband first, because he's part of you. He's part of your life. Let's go make 2024 a better year. By trying to figure it out, what really happened in my marriage? What went wrong? Is that my fault? Or is it his fault? Is it his fault? Or is it our fault? But he is an abusive guy. He's an abusive guy. That's his fault. You cannot deal with that. You cannot deal with that. Verbally abuse or physically abuse, all that is an abuse. That is something different. That is something different. And that you need to set aside because you don't want to be hurt again. You need to find your way. Other than that, if it's just those little stuff around it, you can work that out. You can work that out. If he's leaving and choosing his job before you, then you can ask him. Or you can ask, why did you choose your job before me? I thought I was supposed to be the first person in your life. Everything is not about money, guys. Everything is not about money. One day we're going to leave this world. The money is going to still be here. We live in this house. We're going to die. This house is going to belong to somebody else. Not us. Let's go make a better life for 2024. Let's go make a better choice. Don't hurt somebody else's feelings. If you don't want your feelings. Get close to that person and ask him. Or her. What happened? Why did you act that way? Let the person explain herself or himself. You understand better.
and say, like, throw things like I'm upset. Hypertension. So just act. Boom. Direct. In front of a situation, you just take a decision. Act like that. That's it. Boom. Somebody need to die. No. It shouldn't be like that. It shouldn't be like that. You want to show the partner, your partner, or the person next to you that you are a strong woman or you are a strong man. By the way you react in front of a situation. The way we react in front of a situation, we make that person just admire you again. If you are your husband, the person will just look at you and say, oh my goodness, did you see that? Oh, I love the way he acts. Oh my God, that was so good. I thought he was going to get upset. But guess what he did? Oh my God. Come here, honey. I did not expect this from you. I thought he was going to get upset. Why didn't you get upset? Then he's going to say, you know what? Why do I need to get upset? You are my wife. Or you are my husband. You see, life is easy, guys. Life is easy. Stop hurting each other. Start loving. We need to start loving. Show love more than hate. Don't be quick to show people. People don't want to see how much you love your wife or your husband. But your wife is the one going to put you up there. The wife, the blessings, everything you did for her. And then she go deep down. She sleep, she trust to you. When she get around to you, she hug you. When you put your hand off her, the security, how she feel about you. And when she get up from your house, she will go up there. She's quick to talk about you. She's quick to say something about you. She miss you all the time she go out. Because she knows she has somebody, he's there for her. That is what people gonna hear. The good story that she's gonna be sharing. Now you running with your lies. You show how good you are. Then you come home. You become something else. You become something else. Let's 2024 be a better year. No more single moms, no more single daddies. We refer single moms in 2024, single daddies in 2024. Let's go make this year a better year. Let's the love of God do a rain upon each other. Let's go love each other more. Let's go try to build each other. Let's go support each other. Let's go help each other. Let's go make life easier to live. Okay, now I'm gonna go back and translate. I will say a lot. Let's go translate this in French now. Guys, I'm not feeling well at all. I think we might have went over 45 minutes. That's okay. Here we go. Bon voilà. Donc, c'est ça ce que j'étais en train de dire. Nous sommes en train de préparer l'an 2024. L'an 2024, et nous sommes en train de voir les conditions par lesquelles nous pouvons montrer l'année 2024 étant une année, une bonne et heureuse année.
Quand on parle de bonne et heureuse année, cela ne veut pas dire bonne et heureuse année pour l'année 2024. Bonne et heureuse année pour nous qui vivons dans l'an 2024. Bonne et heureuse année pour les êtres humains. Pour nous, êtres humains qui vivons dans cette année 2024. Donc, quand nous employons la bonne et heureuse année, ce qui veut dire que ça fait partie de nos vies, de comment est-ce qu'on devait vivre cette bonne et nouvelle année. J'ai aussi dit que pour cette année 2024, pour cette année 2024, je ne sais pas, extrait. Pour cette année 2024, nous allons faire un effort, un grand effort, pour ne pas rentrer dans l'an 2024 avec des gens qui ne nous aiment pas. Des personnes qui cherchent à nous détruire, des personnes qui nous haïssent, des personnes qui veulent toujours notre chute, qui ne sont pas contents quand on essaie d'évoluer un peu. Quand on fait des efforts pour faire quelque chose, ils sont mécontents. Nous n'allons pas nous traîner. Nous n'allons pas les traîner avec nous pour entrer 2024. Il y a certains temps de la vie, il faut laisser certaines personnes. Donc, on dira que, oh, vous êtes la famille, vous êtes obligés. Ouais, on n'est en aucun cas obligé. Si je suis ta famille, je suis ta famille. You sure it's right? In there, you look like he's twisted. It's a little. Just a little. Which way? This one. You need a little. You gotta go in the middle here. I don't want to make it. Je vais être parfaite pour l'année 2024. That's good, huh? It's straight. Yeah. It's straight. Bon, voilà. On ne peut pas 2024, on veut être parfait pour l'année 2024. On ne veut pas rentrer 2024 avec des chaînes gondolées de l'autre côté, hein, de gauche à droite, voilà. Bon, voilà, donc, oui, c'est bien sûr, on est famille. Donc, si on est vraiment famille, on devait se supporter. On devait venir ensemble. On devait s'unir. On devait se reconstruire. On devait se construire. Ce qui veut dire, quand tu vois quelque chose ou tu fais quelque chose qui est beau et que tu penses que ça peut aider ta famille, ta soeur, ton frère, ton cousin, ton oncle, ton père, ton whatever, tu t'approches de la personne et tu expliques, tu dis, tu sais, je viens de trouver quelque chose là, vraiment, j'ai fait ça, ça a réussi. Je me suis dit, peut-être si toi tu essayais, ça devait réussir. Famille pour se supporter, pas pour se détruire. On devait se dire certaines vérités. Être capable de se dire la vérité devant une situation. Mais ne pas avoir peur. Ah, mais je ne veux pas parler parce que si je parle, il va s'énerver contre moi. La famille, c'est la famille. On se supporte. On s'encourage. On se dit certaines vérités devant des situations. Parce qu'on est famille. Parce qu'on s'aime. Parce qu'on veut grandir ensemble. Dans une famille, on ne devait pas se méfier. Oui, parce que je ne veux pas l'énerver. Ou je dois me comporter très bien parce que hey, si je lui dis ceci, il va s'énerver. Et peut-être ce que je reçois de lui, je ne vais plus jamais recevoir ça. Là, ce n'est pas une famille en ce moment. C'est que tu vas laisser ton ami, ton frère, ton cousin, ton oncle, ton partenaire, ta femme, ton mari, c'est-à-dire dans la bêtise. Rester dans la bêtise et grandir dans cette bêtise.
certaine vérité. On devait se dire certaines vérités. On devait être capable de parler. Pas se méfier. Pas se méfier. Dans certaines situations, des fois, on réagit. Quand il y a une situation, on réagit. Chacun va réagir à sa manière. Là, c'est une situation qui est arrivée et chacun a donné son point. Tout le monde, devant la situation, on ne se contrôle plus. Mais après la situation, on a la conscience qui gêne un peu. Maintenant, si toi, après la situation, tu vois que la conscience, tu as mal agi, ou tu as trop dit, ou tu as trop fait, je pense que la bonne manière, c'est peut-être essayer de se retourner et aller vers la personne que tu as offensée pour lui expliquer. Être capable d'expliquer à la personne. Lui dire, tu sais quoi? C'est vrai, je ne me suis pas contrôlée. Dans cette situation, j'ai réagi sans me contrôler. Vraiment, 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 je m'excuse. Je n'ai pas voulu agir comme ça. C'était simplement une erreur. Et quand tu vas vers la personne va t'écouter. Et la personne dira, ah oui, heureusement que tu as reconnu ta faute. Heureusement que tu as reconnu ta faute. Parce que moi, je me demandais, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu as réagi comme ça? La personne, maintenant, va te pardonner. Et c'est comme ça, la famille marche. Vous grandissez ensemble en apprenant de l'un à l'autre. Vous vous offensez et puis vous, yeah, l'offense y serait. Ça c'est normal. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. L'erreur y serait là. La faute y serait là. Mais comment reconnaître cette faute et essayer de faire mieux? C'est ça qui est important. On ne peut pas laisser la faute aller juste parce que, oh moi je ne veux pas. Je ne veux pas qu'il se fâche contre moi. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est plus l'amour. Il n'y a plus d'amour maintenant. On ne peut pas évoluer comme ça. Ça serait difficile. ...2024... devait être une année où on devait s'accepter, être capable de se dire la vérité, être capable de s'embrasser, être capable d'accepter l'erreur et reprendre une autre vie. On ne va pas rentrer 2024 avec des rancunes. Des fois, on prend certaines décisions. Il y a certaines personnes que tu les mets carrément à l'écart. Cela ne veut pas dire que tu ne les aimes pas. Tu aimes ces personnes. Tu les aimes en tant qu'être humain. Mais tu ne les aimes pas. Tu ne les aimes pas. Tu les aimes en tant qu'être humain, mais tu ne les veux pas avec toi. Parce que ces personnes, jusqu'à ce que ces personnes ne reconnaissent leur faute et qu'ils se disent que, tu sais, je dois changer, venir vers toi. Non, tu ne rentres pas l'année 2024 avec ces personnes. Parce que ces personnes sont du poison pour toi. Ils vont toujours t'empoisonner. Ils vont toujours, toujours t'empoisonner. Une personne qui ne t'aime pas, qui aime te voir, qui aime seulement que la personne t'aime. Là, quand tu es en détresse, quand tu souffres, quand tu passes des moments difficiles, quand tu traverses des moments pas possibles, la personne maintenant te prouve son amour. Parce que c'est comme ça la personne aime te voir. La personne aime te voir dans ta souffrance. La personne aime te voir comme ça, dans ta détresse. La personne ne t'accepte pas quand tu évolues un peu. La personne ne t'accepte pas quand tu fais des efforts. La personne ne t'accepte pas quand il voit, quand il voit qu'il y a une clarté dans ta vie, que tu essaies toi aussi. La personne ne t'accepte pas. La personne est ton ennemi. De ces personnes, tu ne vas pas traverser 2024 avec ces gens-là. Il y a certaines fois, certaines personnes, tu les mets à l'écart. Tu les regardes parce qu'ils n'ont pas le droit d'être dans ta vie. Parce que tant qu'ils seront dans ta vie, ça sera la destruction. Ça sera la destruction totale. Ils ne feront rien ils ne feront rien pour t'aider que de te détruire. Et à tout moment, ils vont te détruire.
Ils vont en profiter de toi, mais toi, tu n'en profites rien d'eux. Mais en retour, ils vont aller te détruire. De ces personnes, tu les mets à l'écart et tu avances tout droit. Tu ne regrettes pas les avoir mis à l'écart. En ce moment, ça s'appelle méfiance. Mais tu les aimes. Cela ne veut pas dire que tu les aimes. Tu ne les aimes pas, tu ne les hais pas, tu les aimes. Et spécialement, je veux parler. Et ce cas-ci, c'est dans les familles. Mais je voudrais, mon thème aujourd'hui, c'est beaucoup plus basé sur la vie du couple. La vie du couple. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Beaucoup de femmes qui sont divorcées de leur mari. Et qui ont décidé de prendre la qui ont décidé de vivre seules. Qui disent que je ne veux plus d'homme dans ma vie. Je n'en peux plus. Nous allons faire de telle façon que 2024, qu'il n'y a plus de divorce, mais plus d'union. Que tous ceux qui se sont divorcés, qu'ils se remettent ensemble. Je parlais de le cas de la femme et de l'homme. Mais je vais aller d'abord chez la femme parce que j'ai remarqué beaucoup de femmes, j'ai discuté avec beaucoup de femmes et les femmes, quand tu discutes avec eux, c'est le même scénario, c'est le même dire. Quand la femme aime, elle aime de tout son cœur. Quand une femme tombe vraiment amoureuse, elle aime de tout son cœur. Parce que l'homme représente tout maintenant pour elle. La femme fera tout pour que cet amour grandisse. Quelles que soient les difficultés de la vie de ce couple, la femme sera là parce qu'elle aime l'homme, elle a peur de le perdre. Alors elle fera tout et tout pour que ça marche. Mais quand la femme prend la décision de se mettre à l'écart, c'est parce que c'est arrivé à un niveau où elle a vu que ce niveau-là est plus qu'elle. Elle ne pourra plus supporter. C'est terminé, c'est fini et c'est ça. Donc, 2024, on va essayer que cette année soit une année d'union, collaboration, amour, paix, surtout. Il y a dans des couples, il y a certains hommes. Quand ils sont dans le couple, pour eux, d'abord, ils ne considèrent pas la femme. Ils se considèrent eux-mêmes. Ils mettent leur... C'est la première personne, c'est eux. Eux, premièrement. Après, maintenant, subit leur travail. Après, maintenant, subit la famille. C'est-à-dire, quand je parle de la famille, d'où ils sont nés, papa, maman, soeur, frère et autres. Et en quatrième position, quand l'amour est bien partagé, en quatrième position, c'est la femme. La femme vient en quatrième position. La femme et les enfants viennent en quatrième position. Et dans ce couple, ça ne peut pas marcher. Parce que d'abord, l'homme ne t'a pas considéré toi comme étant sa femme.
Il s'est d'abord considéré lui-même. Il est parti considérer son boulot. Il est parti considérer sa propre famille, ses parents. Et maintenant, toi, tu viens de l'imposer. Donc, tu veux dire qu'il va s'en foutre pas mal de ta personne. Il ne fera rien pour ton évolution que de te détruire. Tout ce qui se passera, il viendra contre toi. Quand il sort, il vient contre toi. Tu deviens son ennemi, le numéro un. Il ne dira rien. Rien ne sortira de sa bouche pour te bénir. Mais tout ce qui sortira de sa bouche, c'est pour te détruire. Et toi, tu seras obligé d'accepter. Mais vous saviez, ce n'est pas facile. Parce que quand tu ouvres déjà ta bouche, tu lances un mot à une personne. Ça prend du temps pour la personne de travailler ce mot-là en elle. Tu l'as déjà lancé, le mot est là. Et toi aussi, tu es là. La personne regarde la bouche et regarde le mot que tu as lancé. Et la personne va travailler ça. Ça prend un peu de temps. Et quand l'enfant, la personne est en train de travailler cela, tu continues par lancer d'autres mots encore. Ça détruit complètement cette personne. Ça détruit. C'est comme tu tuais cette personne à petits coups. C'est comme tu mettais des petits coups, tu mettais des couteaux sur cette personne, tu trouvais des trous, des trous, des trous, des trous, et puis le sang coulait un jour, et puis un jour, un jour, un jour, et un beau jour, la personne s'en va. Pourquoi tuer cette personne? Si tu prenais le couteau, tu égorgeais cette personne en même temps, c'est mieux. Comme ça, tout le monde sait que tu es un assassin, et c'est terminé, on te considère comme ça, c'est fini. Au lieu d'être le malin, tu détruis la personne à côté de toi, tu détruis la personne et tu fais le petit malin et tu détruis la personne à petit coup. Et la personne est en train de mourir à petit coup. Quand tu aimes ta femme, il y a certaines façons de savoir si tu es aimé par ton mari ou pas. La femme, tu dois le savoir si tu es aimé par ton mari ou pas. D'abord, quand il t'aime, tu es la première personne. Tu es sa première personne. Il te met en considération avant toute chose. Il te met en première position avant toute chose. Il est prêt à te défendre partout, partout, n'importe comment. Que ce soit ta faute ou ne pas ta faute, il est prêt à te défendre. Il prendra ta défense partout. Même quand tu as une erreur, il te défend, après il te parle en privé. Mais quand ce type ne t'aime pas, tu le sauras toi-même. Il profite de toi pour son plaisir, c'est tout. Il s'est dit que tu es là pour son plaisir. Il s'est dit que tu es déjà garé, tu es déjà sa femme. Le reste n'a pas d'importance. Il va considérer l'être au dehors. Il prend l'argent, il pense déjà comment il peut dépenser son argent au dehors. Tant qu'il a la somme, il se demande qui il cherche à voir, la personne avec qui il peut dépenser au dehors. Et il va même chercher à prendre le peu que toi tu as ajouté à ce qu'il a pour donner au dehors. Il est prêt à te détruire. Il est prêt à dire de n'importe quoi. Il fait des ennemis contre toi. Même quand sa famille part, il est le premier à aller joindre sa famille pour dire des trucs mal contre toi. Et après il revient, il fait le petit malin. Cet homme ne t'a jamais aimé. Cet homme ne t'a jamais aimé. Il t'a voulu dans sa vie pour quelque chose. Et c'est ça. Et en ce moment-ci, si tu fais face à un type comme ça, un abuseur comme ça, qui a de facilité à te lancer le mot, sans penser, sans réfléchir, qui a de facilité à te gifler, qui
as de facilité à ne pas te considérer. Tu as de facilité à courir au premier pour qu'on appelle ton nom. Il est prêt à aller, il va être le premier à témoigner. Il est prêt à aller au dehors, raconter au monde comment il est un bon homme pour toi. Un homme qui commence par dire comment est-ce que lui il est bon homme pour toi, qui commence par raconter ce qu'il fait de bien, c'est un abuseur, c'est un malin, c'est un mauvais homme, c'est un caché. Il faut faire attention. L'homme qui aime, qui est bien, l'homme bien portant, qui aime sa femme, qui est un bon homme, ne raconte pas sa vie au dehors. C'est la femme qui se lève. Et quand elle va au dehors, c'est elle qui raconte sa vie. C'est elle qui dit aux gens, « Ah, mon mari, il me supprime tous les jours. » C'est elle qui raconte ce que son mari fait. Pas toi, l'homme qui court pour raconter aux gens ce que toi tu fais à ta femme. Tu n'as pas besoin de raconter si tu étais ce bel homme. Tu racontes parce que tu as peur qu'un jour la femme va parler. Les gens sauront de toi. Mais là, il faut aller maintenant multiplier les gens, les mystifier en racontant comment tu étais bon, comment est-ce qu'elle est mauvaise pour la faire taire. Comme ça, quand elle va parler, les gens diront que oh, oh, ne nous dis pas. Il nous avait dit comment tu étais, il était bon pour toi. Il avait dit tu étais déjà mauvais, on avait tout écouté de toi. Il te détruit dans sa famille. Un homme qui t'aime va tout faire pour te protéger. Dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle décision, dans n'importe quelle condition, dans n'importe, il va tout faire pour te protéger. Pourquoi? Parce qu'il a peur de te perdre. Parce qu'il a peur que tu souffres. Parce qu'il ne veut pas te voir pleurer. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il veut te voir joyeuse. Un homme qui cherche toutes les fois. Il ne te fait rien. Toi-même, tu fais tes efforts, tu te payes des trucs. Il est contre ce que tu te payes toi-même. Cet homme est un mauvais homme. En ce moment-ci, il n'a rien à faire. Si tu vas te mettre à l'écart, mets-toi à l'écart. Parce qu'un jour, il finira par te tuer. Parce qu'il t'a déjà tué plusieurs fois. Tout ce qu'il a fait, il t'a déjà tué plusieurs fois. Maintenant, il t'a laissé malade. Il t'a laissé handicapé. Il t'a laissé souffrante. Tu n'es plus toi-même. Tu n'arrives plus à te lever. Tu ne manges pas. Tu souffres. Tu ne peux rien mettre dans la bouche. Parce que les mots t'ont tellement blessé. Tu es stressé. Quel est cet amour? Quel est cet amour? On se détruit complètement. Quel est cet amour? On se lance des mots. Quel est cet amour où on doit tout faire pour prouver que oui? Et la personne ne se contrôle même devant ta famille. Il agit. Cet homme ne t'a jamais aimé. Cet homme est ton ennemi numéro un. Parce que même devant ta famille, il réagit. Il dit des trucs à ta famille directement. Il leur dit, cet homme est ton ennemi numéro un. Fais attention avec cet homme. Il ne t'aime pas. Cet homme ne t'a jamais aimé. Il ne va jamais t'aimer. Parce qu'il va continuer que te il va faire le petit malin. Il vient, il fait des trucs. Il va te faire des trucs. Hein. Il va te faire des petits cadeaux. Il va te donner des trucs juste pour pensant que tu vas. Ben, il espère que tu oublies. Que toi, tu l'acceptes dans ses bêtises, dans ses abuses. Que toi, tu devais l'accepter. Que toi, tu devais vivre avec. Que toi, tu devais accepter tout. Parce qu'il est l'homme. Non. Si c'est dans ce cas tu t'es séparé de ton homme, je vais te dire, félicitations, reste où tu es. C'est mieux pour toi. Et avec ta prière,
Dieu va te fournir l'homme, le vrai homme de ta vie. Ce type-là qui est venu dans ta vie, t'étais un voleur. Il n'était pas désigné pour toi. Il est venu te prendre, ton propre homme doit être quelque part. Il te cherche. Il est venu te voler pour te maltraiter, pour t'utiliser, te raconter de n'importe quoi, pour te faire croire que tu valais rien du tout. Il te compare. Un homme qui t'aime ne te compare pas. Parce qu'il sait que tu es sa femme. Il a des considérations pour toi. Il ne peut pas te comparer. Mais un homme qui te compare, il va même te comparer à sa soeur ou à un membre de sa famille. C'est trop. T'as dit, c'est une façon de te dire, c'est une façon lui-même de te dire, c'est comme ça, je ne t'ai jamais aimé, tu ne représentes rien de ma vie. Et il te le dit indirectement comme ça. Des fois, ça fait mal. Parce que tu vois le temps d'années vécu avec cet homme. Le temps de sacrifice, les sacrifices fournis avec cet homme. Ce que toi, tu as pensé. Et à la fin, tu t'en rends compte que non, ces années étaient des années perdues. Et que tu étais avec un ennemi. Ça fait mal. Ça fait mal. Et quand ça arrive à ce niveau, c'est toi qui es détruit complètement. Tu es détruit complètement. Tu ne peux plus être toi-même. C'est difficile que tu te reproduises. Tu passes tout ton temps. Tu fais tout et tout. Donc, l'année 2024 doit être une année où on doit vraiment prouver de l'amour à l'un et à l'autre. On doit s'aimer. Et qu'on dit s'aimer, pas un amour malicieux, un amour vrai, un amour qui vient au plus profond du cœur. Tu aimes cette personne, tu le prouves que tu l'aimes. Et il n'y a pas... T'as dit l'amour, t'as dit quand tu aimes, c'est automatique. Tu aimes. Il n'y a rien d'autre que ça. Tu aimes. Donc tu réagis par amour. Il y a des trucs que tu feras même. Les gens ne vont pas comprendre. C'est l'amour en ce moment. Tu aimes cette personne. Qu'il est cet amour où on limite les choses. Get away from me. L'année 2024 doit être l'une des meilleures années. Et spécialement pour les mariés. Prouvez l'amour à votre femme. Vous aussi, la femme, prouvez l'amour à votre mari. Prouvez-lui que vous l'aimez. Ne cherchez pas que l'homme fasse tout pour vous. Faites quelque chose pour lui aussi. Faites quelque chose pour lui. Il n'a rien de bien que de s'aimer. Il n'a rien de mieux que de s'aimer. Quand on aime, c'est joli à voir. C'est joli à voir. Parce que quand tu aimes, tu vis librement. Quand tu aimes, tu vis librement. Tu vas, tu fais des trucs, il y a la joie, il y a le truc. Mais quand tu n'aimes pas, quand il y a la haine, tu es toujours frustré. Tu es toujours... Tu n'es pas toi-même. Quand les gens te voient, on voit une frustration en toi. Tu es tendu, tu es façon, parce que tu n'es pas libéré. Tu n'es pas libéré, ton cœur n'est pas libéré. Nous devons faire attention. Aimons-nous les uns les autres. Cessons de se détruire. Cessons de dire des mots horribles, des mots touchants,
des mots méchants, des mots qui ne peuvent pas faire grandir une personne. Mais soutenons des personnes avec nos mots doux. Quelle que soit l'erreur de la personne, essayons de comprendre la réaction de cette personne. Essayons de pardonner. C'est très important. J'ai donné mon exemple quand je disais que quand j'étais petite, j'avais pris la décision de m'éloigner des gens. C'est pas maintenant que je fais ça. J'ai fait ça depuis quand j'étais petite, quand j'étais née. Même avec les parents, je le faisais. Si à la maison quelque chose arrivait et que j'étais accusée de quelque chose que je n'ai pas fait, je refusais d'être là. Quand on me grondait, j'écoutais, j'étais là juste pour me gronder. Quand on finit de me gronder, puisque je sais que je ne l'ai pas fait, je ne vais pas prouver le point de peur d'offenser ou de peur de dire quelque chose de mauvais. Je quittais la maison, j'allais me cacher, il y avait une école primaire, j'allais me cacher là-bas. Et chaque fois, c'est ce que je faisais. Je me cachais jusque la tombée de la nuit. Je refusais de manger. Mes parents vont venir me chercher jusqu'à ce qu'ils vont me retrouver. Ils vont m'amener à la maison. Et quand on m'amène à la maison, je refuse de manger. Je vais me coucher. Le lendemain, c'est papa et maman de me réveiller. Ils vont dire, ah, tu vas nous excuser. On avait pensé que c'était toi. Mais pardon. C'est comme ça, je m'étais toujours isolée. Des gens qui me cherchaient du mal, qui me faisaient du mal. Quand je suis avec toi, et je sais que tu ne cherches que mon mal, tu veux seulement profiter de moi et m'utiliser. Et après, aller me vendre au dehors. Je te laisse où tu es et j'avance avec ma vie. Je ne peux pas te trimballer avec moi. Mais quand tu m'aimes, et je sais que tu m'aimes, je te veux toujours à côté de moi. Quand je tourne, je te veux. Je t'appelle à tout moment. Parce que je sais que tu m'aimes. Parce que je sais qu'on est fait l'un à l'autre. Parce que je sais qu'avec toi, je peux grandir. Parce que je sais qu'avec toi, je peux évoluer. Parce que je sais que je peux recevoir des conseils de toi. Parce que je sais que tu es ma personne. Donc quand tu n'es pas, quand je te détecte, quand je sais que tu es là pour ma destruction, tu es garé et que tu es garé, je ne te veux plus de ma vie, tu es loin de moi, tu ne peux plus t'approcher de moi, je te fuis parce que tu es un ennemi, tu ne veux pas mon bien, tu es un venin, tu es un serpent et je ne peux pas trimballer le serpent avec moi. Donc voilà. Donc voilà. Nous devons faire attention. Nous devons beaucoup faire attention. Donc l'année 2024 serait une année de joie, de bonheur, d'amour, qu'on s'encourage l'un à l'autre, au lieu de se détruire. Pour les couples séparés, si ton mari était un abuseur ou un abuseur, qui ne te considère pas, qui t'utilise, qui te lance des mots, qui te verbalement, il te lance des mots, il te détruit, là, tu peux te séparer de cet homme. Cet homme n'a pas le droit sur ta vie. Il est un élément dangereux, il est un vipère. Tu t'éloignes de lui. Mais à part ça, c'était des petits trucs familiales. Vous pouvez vous réconcilier pour reprendre une autre vie ensemble. Donnez la chance à 2024 de faire un changement dans vos vies. C'était mon message pour vous. Je ne veux pas rester longtemps. J'ai déjà assez parlé. Et surtout, je suis pas mal. Je suis malade, moi. Depuis quelques jours, 3 jours, je n'arrive pas à manger. Je ne bois que de l'eau, c'est tout. Je suis souffrante parce que je suis trop stressée. Je suis vraiment stressée. C'est tout. Je n'ai aucune maladie intérieurement. Je suis tellement stressée, c'est tout. Bon, d'accord, donc je ne veux pas rester longtemps ici. Je vais clôturer ce live en disant... Je vais clôturer ce live en voulant dédiquer Céline Dion
Aujourd'hui, j'étais sur Facebook et j'ai vu le message de Céline Dion. Céline Dion est, je pense que le seul artiste que moi je connais sur ce monde. Quand tu me demandes, je ne connais pas, je ne suis pas dans la musique comme ça, vous allez m'excuser. Je ne fais pas la musique, je ne suis pas, vous voyez, je suis toujours seule, isolée comme ça. Je ne suis pas dans la musique comme ça, je ne connais pas de musique. Mais Céline Dion, elle a ses CD dans ma voiture, je joue ses CD très souvent. C'est la seule personne que je connais. De tous les artistes du monde entier, c'est Céline Dion parce que j'aime ses chansons, j'aime sa voix. Aujourd'hui, j'étais là sur Facebook quand je l'ai vu intervenir, elle était en train de parler. Si on veut dire Céline Dion devait avoir... c'est une jeune femme. Peut-être elle a 55 ans, 56 ans. Pourquoi devait-elle souffrir? Donc, je vais demander à tout un chacun de vous, dans vos prières, de se rappeler d'elle. Nous allons la remettre dans les mains du Seigneur, que Dieu fasse un effort, que de la malaise dont elle souffre, qu'elle puisse se soulager de cette malaise. Elle disait qu'elle devait faire une tournée en février, elle était en train d'annuler sa tournée. Tellement c'était difficile de la voir parler. Je l'adore, je l'aime. J'ai pleuré avec elle. Mais c'est la vie. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est les conséquences de la vie. Nous sommes obligés de subir avec. Donc, tenez Céline Dion dans vos prières. Aidez-la afin qu'elle puisse, que Dieu la touche, qu'elle puisse se rétablir rapidement de sa maladie. I'm going to close this, but before I close that, I was scrolling on Facebook and I saw the message of Céline Dion. Céline Dion, I don't do music. I'm not too good in music. If you ask me, I don't know nothing about music. But I just have only one singer in the entire whole world, which is Céline Dion. I love her songs. Hey, I know a few of her songs, and I always play her CD in my car. And I almost say CD that I play all the time. To hear her today saying about how she's sick and she's suffering, and she was canceling off some of her thing. Concert? Yeah, concert in Europe. The tour she was supposed to do in February, she was supposed to do a tour in Europe, and she was canceling all that. And then if you see Céline Dion supposed to be young, I believe she may be like 56, like that. She's very young lady. So I just want to remind each one of you watching me to have her in your prayer tonight, all the time. We're going to pray for her, that God help her heal from her sickness, that whatever going on in her life, that God give her life back. We miss her. We need her voice. We need more of her. Yeah, you know that when we play, when we first started live, we play one of her songs. I'm Alive. Yeah. I'm alive, live, 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 live. Yeah. I'm playing the song again. Yeah. So we're going to remind Céline Dion in our prayer that God help her. My number one singer is JoJo Siwa. I can't wait to fly. Oh, I'm alive, 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 alive. Yeah, we're going to remind Céline Dion in our prayer that God help Céline Dion, that she gets healed from her sickness. And then we believe in our God. God will do that. The year 2024 is going to be a better year for Céline Dion. She will surely be healed. She will get back. We will hear more and more of her voice. We thank Lord Jesus. We ask God to do something. To use Céline Dion. Céline Dion will never get sick. She will never stay in bed. She will get up. She will walk. She will do amazing things. We will hear more of her voice. We will hear more of her music. We thank Lord Jesus for everything for her. I thank you guys. Love you guys. Bye bye. See you next time. Bye. Bye.
come on.